Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il pour quiconque naît de l'esprit. Enfin, je comprends pas. August Strindberg passe son temps à vouloir transformer le soufre en or. Vous avez pourtant réussi à l'éloigner de la littérature. Il existe un autre or beaucoup plus dangereux encore. Je vois à quoi vous faites allusion. Celui-là même qui sort de la tête de ces maudits artistes. De l'art. La rue. Du street art. Tu vois les filets, là? Moi, j'en vois pas de filets. Tu vois? C'est exactement ce qu'on fait, nous. On prend une caméra, on va dans la rue, on n'a pas d'autorisation, on y va, let's go, c'est ça le cinéma. Tout ce que t'as vu avant, c'est mort, c'est obsolète. Ok, putain, c'était une histoire puissante, mais bordel, faut que tu l'oublies, quoi. Vous vous y êtes du mal. Vous êtes venu dans la scène du matin au soir, t'étais comme un putain de zombie. T'as rendu un grand service en disparaissant comme ça. L'autre con, là. Tu lui en aurais pris, là? T'inquiète pas pour ça, je suis clean. Oh, putain, t'es vachement clean. Ouais. Ça fait plaisir. Ah non, putain, t'as... Ce que je souhaite, c'est retrouver un peu de stabilité. La mobilité est une des règles de notre temps. La vie de prêtre n'y échappe pas. L'église aurait peut-être dû me laisser le temps de résider entre les murs que je construisais au monastère. Sinon, à quoi bon? Bâtir sans fin temps de Babel. Écoutez, si vous êtes menacé de mort dans votre pays pour des raisons politiques, religieuses ou parce que vous êtes homosexuel, la France va vous aider. Allez voir une association, ils sont très bien, vous savez. Prenez garde de n'avoir le diable comme père et d'accomplir ses désirs dans cette affaire. C'est peut-être pourquoi, quand la puce elle parle, vous ne l'entendez pas. Ne sommes-nous pas baptisés dans le Christ, toi et moi? Vous êtes comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux et importants dehors, mais qui dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.